Ouais, mais Et il a monté sur la il a moto, couru. il est parti. Voilà. Il a couru. Recule un peu. Calotte de ses morts. Vous connaissez pas la calotte de. Sale de ses morts. On est kérave par les bédos derrière. Alors j'ai un titulaire, monsieur Lemoelle. Monsieur Lemoelle Lucas. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est qui? C'est un de vos associés? C'est un de vos employés? C'est exactement ça. Voilà. Contrôle de gens, contrôle de police, trop de poids dans le camion. Voilà. Bon, autant dire que là je suis dans la merde, hein. Il y a au moins 5 tonnes de cuivre dans le camion, dans la remorque. Alors, le dernier essieu, c'est lequel? C'est le dernier. Hein? Ah, allez-y, je vous dirai. Justement. Quel lot de tes morts! Ça, c'est pas une menace de mort. Mon gars, il te ramasse. Donc, t'as se faire enculer. Oui. Alors, si tu veux. Bah, c'est bon. C'est bon. Putain, faut qu'il regarde. Il a les lunettes. Il Chib. Pas. Il est malheureux. On peut pas travailler. On peut pas travailler. Tu travailles, tu te lèves le matin à 6h, tu vas faire tes chargements, tu prends la route pour chez toi, tu te fais arrêter, tu prends des PV. Tout le monde est content. Bah, sauf ceux qui travaillent, forcément. Voilà, 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 le chibron, je ferais mieux de rester à me branler le matin dans mon lit que d'aller travailler. Voilà. Allez. Ah, ils vont me la mettre, et puis ils vont me la mettre bien comme il faut. Vous allez pouvoir descendre? Oui. On va encore arriver 30 minutes, c'est bon. Vas-y. Ah, on peut avancer là. Avancer un petit peu. Oui, descendre. C'est quand même pas facile. Hein? Ben oui. C'est bon. Avance, 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 c'est pas grave. C'est bon. Avance un petit peu. T'en fous. Mais non, il me dit que c'est bon. Eh ben c'est bon. Calotte. Il l'enlève. C'est bon. Non, avance, avance, avance. Arsouille. Avance. C'est bon. Esprit. C'est bon. Les décharges, c'est pas bon. Non mais j'ai le. Le chibron. Le chib. Vous m'avez dit d'avancer. Je veux dire, c'est bon, c'est bon. Dégager la plaque, c'est bon. Ah voilà, c'est ça, c'est bon. C'est pour la plaque. Bon, il n'y a pas beaucoup de surcharge, chef. Non, t'en as pas. Il n'y a pas de surcharge. Hein? Il va vous dire. Il est en train de calculer. Là. Il calcule? Il doit être en train de sucer, plutôt. 10 tonnes 650. 10 tonnes 650. C'est un petit record. Comme l'autre fois, le vla. Penchy, penchy. Vous garez le camion là-bas sur le parking? Oui. En attendant, et vous revenez nous voir avec vos papiers. Ben, c'est vous qui les avez, les papiers. Bon, alors vous revenez quand même nous voir, vous garez là-bas. D'accord. Faut arrêter l'alcool, hein. Ouais, liche-moi les couilles. Là, il va me le licher, le paquet de couilles, le chibrosaur de mort. Là, il va m'en coller pour 700-800 euros, la gueule de pine. Ah non. Mais si. Mais si, je te le dis. Garez-vous là. Remarque, il est gentil, le poids du camion, il a fallu qu'il... Mon, tu vas travailler dans des conditions comme ça, toi. Là, faut qu'il y ait... Ouais, parce que Jean-Noël, il va venir là. Bon, ben, les amis, voilà, hein, vous êtes 33, regardez. Bon, j'espère que ça vous fait une petite animation pour ce matin. On a pas de chance, hein. Bon, et n'oubliez pas, hein, bon ferrailleur, c'est JSR. Allez, on va prendre un petit profit de 700-800 euros, puis on en reparle après. Allez, je vous embrasse, à tout à l'heure. Bon, deuxième chargement en contrôle. Oh là 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 là. Oh là là, là il y a du poids là. Là, il y a du poids là. Là. Alors apparemment, c'est 90 euros par tranche de 500 kilos. Ah, c'est la poisse. C'est la poisse. Comment on va faire pour payer ça? Oh, c'est la poisse. Comment faire? C'est la merde.
Plusieurs solutions, les cousins. C'est soit je la joue à la roumain, excusez-moi, c'est un arama. C'était pour les enfants, les petits-enfants. Ou alors, je peux la jouer en voyageur. Écoute-toi, mon frère, qu'est-ce que t'as, mon copain? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du cuivre dans le camion, il y a trop lourd. Et puis alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y a du cuivre? Hein? On n'a pas le droit de travailler, nous, on n'a pas le droit de travailler. Vous êtes des racistes, alors nous, parce qu'on est voyageurs, on n'a pas le droit de travailler. Ça, mettons, ça serait... Le voyageur, il dirait ça, mettons. Après, il y a le travailleur. Le travailleur, il dirait... Oui, ah bon? Il y avait si lourd que ça dans la remorque? Ah, vraiment, je suis confus, désolé, excusez-moi. Là, vraiment... Bah écoutez, monsieur l'agent, je recommencerai pas... Oui. On va finir une bonne fois pour toutes. On va en finir. Signature, si vous désirez signer. Une signature, maintenant. On va en finir, monsieur l'agent. On va en finir, là, c'est mort. On va en finir. Ici. On signe. Là. Ça va me coûter combien, monsieur l'agent? Je vais vous expliquer, en fait. Dites-moi. Là, il y a 6 contraventions, 6 fois 90 euros. 6 fois 90 euros? Oui. Ça peut pas continuer comme ça, maintenant, la calotte de ces morts. Ça peut pas continuer comme ça. 6 fois 90 euros, on va les prendre où? On va les prendre où, les sous, pour payer ça, maintenant? On va les prendre où? Oui, monsieur. Et 6 fois 90 euros. Bah écoutez, on va travailler un petit peu plus, hein. On va travailler un petit peu plus, puis là, bah, on va en prendre encore une pellicule, parce qu'il y a encore une autre marque. Dic, cette salle. Allez, bien, j'en viens aussi. On va en prendre encore des 7-8 fois 90 euros. Je te garantis que Macron, hein, il s'en fait des sous sur notre dos. Tiens, regarde Macron. Guette. Oui. Alors, je disais, Macron, tu vas t'en faire des sous, hein. Tu vas t'en faire des sous avec nos conneries, hein. Tiens, Macron. Guette, Macron. Guette. Tiens. Là. Voilà. Comme ça, je vais donner des sous, puis je vais donner la merde avec. Voilà. Bon, je vais aller signer le papier, la calotte de tes morts. La calotte. Là, comme ça, il y a une pièce où à gagner avec le platin. Tu vois, autrement, les motos, comme ça, je les prends, j'ai fait le camion, je vais les livrer, moi, je vais gagner un billet de 10 euros. C'est bon. Voilà, mon Dieu. Bon, je vous laisse, les garçons. Je vous laisse. Je vous laisse, allez, à tout à l'heure. Je vous tiens au courant. Et moi? Bon, les amis, alors le plus fou dans tout ça, Revenez tous, je sais que vous êtes là. Je vous dis de revenir. Revenez, le sang de mes, revenez. Là, revenez. Bon, alors après vérification, alors le monsieur, il me fout 90 euros par tranche de 500 euros parce que si on surcharge, mais plus beaucoup de tout. Donc là, ils sont trois, vous voyez. Une moto, il y a deux motos, là, il y a trois motos. Alors dans les trois motos, il y en a un qui dit « Non, c'est pas possible que c'est vous, monsieur Schmitt. C'est pas possible qu'elle fait des vidéos avec la voiture. C'est pas possible que vous, c'est vous qui avez acheté du pot. » Allez, on va se faire une petite photo, les gars. Vas-y, allez, on se la fait. Eh, lui, c'est un bon, les gars. Non, lui, quand je vous dis que c'est un bon... La calotte de tes morts. La calotte de tes morts. On va finir maintenant. On va finir. Le Schmitt de tes morts. T'es un gars de jour, toi. Mais oui, mon cousin. Maman, j'ai... Je vais te chorave la moto devant le nez. Vas-y. Allez, voilà la petite photo. Pour les collègues, pour la brigade. Monsieur, bonjour. Police nationale, papier. Bordel. Quelle misère, on prend. Allez, on se la fait. Ouais, attends, il y a le soleil. Ah oui, côté. Là, côté là. Là. Vas-y. Tiens. Ça va être beau comme des cœurs. Guette, mon cousin. Alors d'un côté et puis de l'autre. Guette. Allez. Santé, hein. À la botte. Allez, vas-y. Bon, c'est Joseph, hein. Ben c'est Joseph. Joseph pète les plombs, Joseph alias Hulk, Joseph alias Père Noël. Joseph au salon mondial du Body Fitness. Oh, sacré Joseph quand même, j'aurais dû faire du cinéma, moi. J'aurais voulu être un artiste ou un chanteur de cinéma.
La calotte s'est moulée. C'est pas de ma faute si je me fais arrêter. Je vais prendre un sacré paquet de PV. Tout ça, ça me donne bien envie de gerber. Ah, quelle misère. Enfin, on rigole, mais il va toujours bien falloir payer, toujours. Hein? Et ça, c'est moi qui va payer, c'est pas vous. Hein. Bon, les gars, je vais vous laisser. Hein? J'espère que vous avez bien rigolé là, avec mes conneries. Bon, regardez les pauvres camions là-bas. Regardez-les. Regardez-les, les pauvres camions là-bas. Ils sont en attente. On a fait affréter un camion grue, un poids lourd, pour vider les camions, pour pouvoir reprendre la route. Encore heureux qu'on n'avait pas bu. Ben, manquait plus que ça, remarque. Bon, à plus tard. Ouais, je vous aime.